Hey, salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petite série sur les contrats de l'avant-garde ou les contrats de Xander, comme vous voulez. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer au chef déchu. Vous m'avez demandé quelle était ma technique pour faire les 10 déchus supérieurs ou ultra, comme vous pouvez le voir actuellement à votre écran. Donc ma technique, elle est vraiment simple, mais elle est un petit peu longue, je pense. Donc j'imagine que vous avez sûrement de meilleures techniques. En tout cas, je vous donne mon astuce à moi. Donc je pars en exploration sur Vénus, je prends le chemin de gauche et je vais jusqu'à la caverne des Tisons, donc une espèce de petite plateforme sur laquelle va se trouver le capitaine des déchus, donc qu'on va pouvoir apercevoir dans quelques secondes, le voici. Donc ce capitaine, vous l'aurez compris, je vais le tuer à répétition 10 fois d'affilée. Et donc ma petite méthode pour le faire spawn plus rapidement, ça va être d'aller me cacher dans une caverne. Alors avant d'aller plus loin dans cette étape, je vais commencer par faire le ménage complètement sur la zone. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai l'impression que les ennemis repopent plus vite lorsque vous avez complètement nettoyé la zone. Alors je sais pas si c'est juste une impression ou si c'est fondé. En tout cas, moi je préfère nettoyer complètement la zone, le capitaine y compris bien évidemment. Et bien souvent, il y a un ou deux vandales qui se cachent avec lui, qui font également partie des chefs déchus. Donc c'est plus intéressant, je dirais, de nettoyer complètement cette zone. Et donc ensuite, je vais me cacher dans la petite caverne qui se trouve juste au fond à gauche, tout simplement. Et je vais attendre ici environ 30 à 40 secondes que les ennemis repopent. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais me cacher, j'attends que ça repop. Je ressors, je tue le capitaine, je nettoie un petit peu la zone et je retourne me cacher. Je fais ça 10 fois d'affilée. Et donc en utilisant cette méthode, bien on va dire que j'ai bouclé le contrat en environ 10 minutes, un quart d'heure à peu près à chaque fois. Donc je suppose que vous avez probablement des méthodes plus rapides ou plus efficaces, comme par exemple une mission dans laquelle il y aurait les 8 ou 10 déchus d'un coup dans la mission. C'est tout à fait possible. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à faire partager en commentaire, auquel cas je réuploaderai une vidéo qui serait plus intéressante que celle-ci. Si vous avez des conseils ou des recommandations, c'est pareil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai de vous répondre le plus souvent possible. Et puis, si jamais vous voulez nous parler directement, je vous le rappelle, on a un Twitter qui est celui de la Zombie Factory, sur lequel on est super super actif. Et la dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est si jamais vous avez envie que je continue cette série des contrats, on m'a demandé d'en faire un troisième, mais après ça, j'ai pas eu de demande régulière sur un autre contrat, donc si jamais vous avez envie qu'on parle d'un contrat en particulier pour lequel vous galérez, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes par message privé ou sur Twitter, donc comme je vous l'ai dit précédemment. S'il y a beaucoup de demandes rapport à un contrat en particulier, bah à ce moment-là, on refera une vidéo, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour cette petite astuce sur le contrat des chefs déchus. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao !